Samael, tu nous as menti pendant tout ce temps. Non. J'ai simplement omis quelques vérités gênantes. Mais maintenant, je vais vous dire tout ce que je sais. Une modeste pénitence pour vous remercier pour vos services. Je te souhaite que ce soit une histoire courte. Après que les Néphilim aient été anéantis, Lilith est venue à moi. Lilith, évidemment qu'elle a un rôle dans cette histoire. Elle était folle de chagrin et m'a demandé mon aide pour orchestrer sa vengeance contre le Conseil. Contre vous, cavalier, pour le rôle que vous avez joué. Mais surtout contre les humains qui avaient fui Eden, que Lilith considérait être injustement privilégiée par rapport aux autres. Et tu as cédé. J'ai refusé de l'aider. Je respecte l'équilibre, après tout. Et puis, je préfère que le Conseil ne s'immisce pas dans mes affaires. Une leçon que, pour mon plus grand plaisir, mes rivaux ont apprise avec une finalité amusante. Tous sauf un. Lucifer. Oui. Lorsque Lilith l'a rencontré, il attendait sa venue avec impatience, avec des desseins abjects, rivalisant même avec les siens. Ensemble, ils ont alors créé l'Animus, dans le but de corrompre l'humanité. L'Animus est une influence ténébreuse, séductrice, emplie de malice et d'avidité. Pour alimenter l'Animus, Lucifer a conclu un accord avec les maîtres, conférant à chacun d'eux le pouvoir à un prix élevé. Ces imbéciles ont accepté, croyant qu'ils deviendraient invincibles. Il m'a fait la même offre. Vous imaginez cela? Quel culot! Quel était le prix, Samael? Leurs âmes. Elles leur seraient réclamées au moment de leur trépas. Pendant tout ce temps, on a aidé Lucifer. Et toi, tu savais. Samael, qu'as-tu fait? Mes mains sont propres, cavalier. Vous avez suivi les ordres du Conseil, pas les miens. Moi, je vous ai simplement montré la voie. Tu ne peux tout de même pas me reprocher de vouloir voir mourir mes rivaux. Tu répondras de tes actes. Une autre fois, peut-être. Je vous ai promis Lucifer et je peux vous envoyer à lui, si vous le souhaitez. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Moloch a dit la vérité. Peut-être pour la première fois de sa misérable vie. L'œuvre de Lucifer est terminée. Il a découvert le nouveau monde où vit l'humanité, la Terre. Puis il a utilisé l'Animus pour la corrompre. Vous trouverez les humains changés. Envoie-nous sur Terre. Adieu, cavalier. Ça a été un plaisir. Oui, vous avez été bien occupé. Tuez-en autant que vous pourrez. Cela profite à chacun de nous. Et maintenant, c'est au Conseil de décider du sort de l'humanité. Pas à nous. Nous avons aidé Lucifer à créer cela. Impressionnant, n'est-ce pas? Quand on parle du loup,
La vie telle que la connaissaient ces créatures avant était insignifiante. Elles chuchotaient des histoires autour du feu, cherchaient parmi les étoiles des réponses à leur pathétique existence. Je suis la réponse. Voyez comme elles s'adaptent vite. Maintenant que leurs yeux sont ouverts, elles ressentent tout ce que leur a refusé leur créateur. La peur, la haine, la luxure. Et peut-être vont-elles fonder un troisième royaume avec lequel il faudra compter? Jusqu'où est-ce que ça s'est répandu? Désormais, qui peut le dire? Tu vas tous nous tuer, pour être sûr. Cours, gamin. Éloigne-toi du village aussi loin que tu peux.
Vous avez prouvé que vous êtes de valeureux soldats du Conseil. Que votre volonté et votre service demeurent inébranlables pour l'éternité. Grâce à vos efforts, l'humanité perdurera. Bien que changée à jamais par le complot de Lucifer. Abattre les humains agressifs que vous avez rencontrés était une tâche sans aucun doute sinistre, mais nécessaire. Une tâche qui déterminera peut-être la fondation du Troisième Royaume. Le temps nous l'apprendra. Ce qu'il reste des humains doit être surveillé de près, protégé. Écoutez, avec les 7 sceaux qui ont été forgés, un grand traité sera conclu au nom de l'équilibre. Ceux qui le briseront devront affronter la fureur des cavaliers. Que notre volonté se manifeste dans les sceaux. 3 sceaux forgés par les enfants des cieux, 3 sceaux par les habitants des enfers, et un dernier sceau, né de notre propre sagesse. Le Conseil a parlé.